Le point d'épine est un point décoratif qui va vous donner l'effet d'avoir des petites épines de chaque côté du trait. Alors, pour le réaliser, je me suis placé à la verticale et je vais le broder du haut vers le bas. Alors, je commence en haut à gauche de mon V. Et je m'en vais en haut à droite de mon V. Je me garde une boucle et je sors par le bas du V en passant à l'intérieur de ma boucle et je tire. Je suis prêt maintenant à faire mon autre V. Donc, je m'en vais en haut à gauche de mon V, donc vis-à-vis. Je me garde une boucle et je vais dans le bas de mon V. Et je tire vers le bas. Je m'en vais toujours vis-à-vis, donc c'est-à-dire en haut à droite de mon V. Je me garde une boucle. Je me mets dans le bas du V. Et je tire vers le bas en prenant soin de passer à l'intérieur de ma boucle. Et je vais vis-à-vis, c'est-à-dire en haut à gauche du V. Et je ressors par le bas en passant à l'intérieur de la boucle et je tire vers le bas. Et je me promène toujours comme ça, de droite à gauche, jusqu'à temps que j'arrive en bas. Pour bloquer mon V, je viens juste piquer juste en dessous de mon V pour bloquer mon fil. Et voilà pour le point d'épine qui peut vous faire une belle tige de fleurs.